Comprends ce que je dis. Quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, arrête de croire que bon Dieu est simplement occupé des affaires spirituelles. Non, Dieu est intéressé avec nous la vie. Dieu est intéressé avec ce qui nous peut vivre. Dieu est intéressé avec ce qui nous peut vivre. Et quand nous laissons bon Dieu rentrer dans nos finances, dans nos familles, dans le business, dans toutes les choses, dans toutes les sphères de nous la vie, moi, si et toi, qui c'est là, et te prenais l'intelligence, ce qui te peut comprendre, te prenais l'intervention divine, l'eau, tout ce qui t'entreprend. Ok? Quand il dira, quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est vrai, tu as besoin de travail pour recueillir le fruit. Mais souvent, des fois, nous envie recueillir le fruit, sans qu'il n'a l'intelligence de Dieu. Ça l'en est là. Exemple, tu fais un travail, tu fais une ferme en quitteuse, mais avec ta propre intelligence, tu fais une labourer, comment ça verser là, tu fais un travail, tu pas fait une recueillir quand tu sais que tu es bien recueillir. Il dit, comprendre ce que je dis. Quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, bien aimé, il n'est pas que simplement dans les choses spirituelles, il n'est pas que simplement dans les choses matérielles, il n'est pas que simplement dans les domaines de finances, dans les domaines de la santé, dans les domaines sentimentaux, dans les domaines peu importe, non, il est cause en toutes choses. Alors, est-ce que tu es prêt pour recevoir l'intelligence de la part de Dieu? Nous tous nous donnons l'intelligence, merci Seigneur. Mais ce soir, mon Dieu, envie de toi, de l'intelligence. Alléluia. Ce soir, mon venu pour prophétiser dans la veine du monde. Ce soir, mon venu pour prier pour un du monde. Pour accélérer. Pour unlock. Là, quand l'intelligence est bloquée. Là, quand le diable finalement met une question négative dans tes pensées. Là, quand vraiment l'ennemi finit travail dans ta propre intelligence. Beaucoup de personnes ont l'intelligence est bloquée. Je ne suis pas capable de penser. Je ne suis pas capable de réfléchir. Je ne suis pas capable de lire la Bible. Je ne suis pas capable de prier. Je ne suis pas capable de faire cette pensée est bloquée. Mais ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit lui visite toi à l'instant, me débloque maintenant même, me brise maintenant même, me unlock maintenant même tout mon travail de l'ennemi de tes pensées, qui maintenant même te recevoir l'intelligence du Seigneur, te recevoir la sagesse de Dieu, te recevoir l'intelligence du Saint-Esprit, là dans ton business, recevoir bien-aimé, recevoir l'intelligence pour ton business, tu peux faire le business, oui, mais tu n'as pas connu comment ton business bizarre augmenter, tu n'arrives à un chiffre d'affaires que tu stops, tu stagnes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ya, 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 yes. Me crois que ce soir, Dieu lui visite Dieu. Me crois que ce soir, vraiment, le Saint-Esprit lui visite toi. Il touche toi à un niveau que vraiment, à l'instant même, ton intelligence commence à fonctionner. À partir maintenant, ce soir, comment tu as dormi, tu pour recevoir l'intelligence de Dieu, dans ton business, dans ton école. Toi qui pas connais, parce que tu pas connais comment m'en apprendre. Qui sait, mon besoin pour l'année prochaine. Alléluia. Recevoir, recevoir l'instant même. Recevoir l'intelligence du Saint-Esprit. Recevoir la grâce de Dieu. Recevoir là que tu étais. Bon Dieu, touche-toi l'intelligence. Me lève-toi maintenant même. Pose-toi la main de la tête. Et répète ça la prière avec moi. Dis au nom de Jésus. Ce soir, me déclarer que toute puissance magnifique, que toute puissance diabolique, qui rôde empêchement et dans l'intelligence de Dieu, qui rôde empêche mon intelligence fonctionner à merveille, qui rôde empêche la sagesse de Dieu fonctionner dans ma tête, au nom de Jésus, me brise tout mon lien, au nom puissant de Jésus, me stoppe le plan de l'ennemi dans mon intelligence, et désormais mes pensées les connecter à Christ, dans le nom puissant de Jésus, et nous tous qui croyons nous dire, Amen. Amen. Je crois qui bon Dieu est la possibilité pour restaurer toi. Alléluia. Je crois que bon Dieu est capable de restaurer toi. Restaurer tes pensées. Ce qui bon Dieu a envie de faire l'année 2020, c'est restaurer tes pensées. Donne-toi l'intelligence selon lui, pas selon toi. Donne-toi l'intelligence selon lui, pas selon toi. Et un verset qui dit, mes pensées, ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais laisse-moi dire tes affaires. Alléluia. L'année 2020, la pensée de Dieu pouvait te penser. En janvier, la pensée de Dieu pouvait te penser. En février, la pensée de Dieu pouvait te penser. En mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, prophétise cela dans la vie. Je peux connecter avec la pensée divine. Je prenais un réseau en toi et Dieu pour une connexion. Vraiment, tu pour recevoir la pensée de Dieu. Et c'est ça qui peut faire la différence dans ta génération. Alléluia. C'est ça qui vous fait la différence dans la vie, dans l'année. N'a pas attendre toi
aban quelque chose faible, n'a pas tant toi aban quelque chose banal, n'a pas tant toi aban quelque chose catastrophe. Arrête tant catastrophe dans la vie, non, attends ban meilleure quelque chose qui fait parce que tu as l'intelligence de Dieu, tu as l'esprit bon Dieu dans toi. La Bible dit là côté là Jésus-Christ, là côté là le Seigneur, là côté là le Saint-Esprit et là la liberté. Ce soir, recevoir la liberté de tes finances, recevoir la liberté de ton mariage, recevoir la liberté de la case, recevoir la liberté dans les sphères de l'école, la liberté, là toi qui peux intéresser pour faire le ministère, toi qui peux intéresser pour continuer le ministère, recevoir la liberté maintenant même, toi qui accro à ban certaines petites choses, à droit à la drogue, à droit à la cigarette, à droit à la prostitution, accro à ban petites choses négatives, ce soir recevoir la liberté. Dieu lui libère de l'intelligence, tu es même l'intelligence, mais tu es l'intelligence pas travail, tu es l'intelligence bloquée, tu es l'intelligence bloquée. Ce soir, mon truc qui bon Dieu, il unlock, il débloque, il donne toi sagesse. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a une personne qui est avec moi ce soir? Ce soir, vraiment, je les prophétise dans ma personne qui est connectée. Je les prophétise dans toute la vie. Ce soir, mon Dieu, envie d'une double onction. Une double onction de l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, imagine ça. L'homme fait créer un avion. L'homme fait créer une chose extraordinaire. Extraordinaire. Souvent, des fois, on peut bien apprendre pourquoi pas piloter un avion. Aïe, 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 aïe. Souvent, des fois, on peut bien apprendre pour capable, pour faire une petite chose, pour faire un travail. Mais ce soir, moi, les annonce-toi, qui appartient de maintenant même, l'intelligence de Dieu, elle vient de l'intelligence. Tout ce que l'homme est capable de créer, toi, tu es pour créer. Alléluia. Toi, tu es pour créer cela. Toi, bon Dieu, pour donner toi l'intelligence de Dieu. Ça vient, c'est là, les affaires. Les dire comme ça, quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, je ne pas connaître qui a fait ton pertane pour l'année 2020. Je ne pas connaître qui chose ton pertane. Mais ce soir, je suis venu en tant qu'un prophète de l'éternel, en tant qu'un homme de Dieu, pour annoncer de la vie, pour prophétiser de la vie, et pour donner un décret que l'année 2020, c'est une année qui Dieu pour donner de l'intelligence pour te réussir, elle l'intelligence de ta famille, elle l'intelligence dans tous les sphères de toute la vie. Elle manque d'intelligence, ok, pour amener une improductivité dans tes finances. Est-ce que je peux comprendre ce que je veux dire? Elle manque d'intelligence pour amener un mariage cassé, elle manque d'intelligence pour amener un enfant mal élevé, elle manque d'intelligence pour amener un business mal géré. Mais laisse-moi dire au nom de Jésus, ce soit l'intelligence de Dieu qui te portage, ce soit l'intelligence de Dieu qui te portage, me dire ce soit l'intelligence de Dieu qui te portage, une personne qui met ban cœur, qui met ban pouce ce soit de recevoir cela, qui met ban pouce ce soit de recevoir cela, l'intelligence qui te portage, l'intelligence qui te portage, l'intelligence qui te portage, l'intelligence qui te portage, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, yes, caraba chantaraba. Alléluia, l'intelligence qui te portage ce soir, l'intelligence qui te portage, tu peux arrêter bête, dis-vous, ah, t'es une bête, ah, t'es un couillon, toi, tu peux dans l'intelligence, non, bien aimé, tu peux pas capable d'amener ton rôle en tant que mari, en tant que femme, ce soir l'intelligence de Dieu, tu peux connaître comment fonctionner avec ton mari, alléluia, tu peux connaître comment fonctionner ensemble avec ta femme, tu peux connaître comment fonctionner en tant que papa envers tes enfants, beaucoup de papas, je peux dans l'autorité envers tes enfants, je peux dans une sagesse pour cause avec enfants, soit je trop crie avec les enfants là, soit je trop calme, mais dans le nom de Jésus, que ce soit cela vienne te partage, qui te recevoir l'intelligence de Dieu, qui te recevoir la puissance de Dieu, au nom de Jésus, ce soit mon trouble un homme qui est libéré, mon trouble une femme qui est libérée, mon trouble un enfant qui est libéré de la timidité. Il y a beaucoup d'enfants de timides à l'école, timides pour cause avec professeur, timides pour cause avec professeur les sons, qui fait parce qu'il a un manque d'intelligence. Un manque d'intelligence, un manque de développement personnel, un manque de développement spirituel. La raison qui fait que tu peux vivre la vie stagnant. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi annonce de la vie un changement ce soir. Si tu crois, te mets bancaire. Si tu crois, te mets bancaire. Ce soir, Dieu lui visite toi. Dieu lui visite ta famille et Dieu visite ton business. Dieu visite tous les sphères de toute la vie. Alléluia. L'intelligence qui te porte, l'intelligence qui te l'héritage, l'intelligence de Dieu. Seigneur, ce soir, m'intéresser pour gagner l'intelligence de toi. Seigneur, moi soif l'intelligence de toi. Donne-moi de l'intelligence. Répète cela, bien-aimé. Et Seigneur, donne-moi l'intelligence. L'intelligence en toutes choses pour 2020. L'intelligence de mon foyer, l'intelligence de mon famille, l'intelligence de mon travail, l'intelligence dans le nom de Jésus. Bien-aimé, recevoir la que Dieu était l'intelligence de Dieu. Dans tous les domaines, dans tout. Vous êtes ses pas,
c'est pas beau parole. Guette bien. Guette bien. C'est pas beau parole. Guette bien. Il dit comme ça. Quand le Seigneur te donnera. Bien-aimé, le bon Dieu est le bon Dieu qui te donne. Ah, comment mon petit dit cela? Bon Dieu, il n'est pas bon Dieu qui est dans l'armée, il n'est pas capable de toucher toi ou qui est dans les oreilles qui écoute toi. Non, 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 non. Dieu, il y a un Dieu qui bénit. Dieu, il y a un Dieu qui donne. Dieu, il y a un Dieu qui restaure. Dieu, il y a un Dieu qui change. Dieu, il y a un Dieu qui transforme. Dieu, il y a un Dieu qui amène à un niveau, à un autre niveau. Dieu, il y a un Dieu qui tient toi dans la boue, qui amène toi assise parmi les grands. Alléluia. Alors, ce soir, Molé, tout simplement, et dis-toi, annonce-toi. Plutôt, quand le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses, l'intelligence de Dieu dans le ministère, l'intelligence de Dieu dans ma famille, l'intelligence vous êtes. C'est une question qui vraiment me fait méditer. Le Seigneur, donne-moi de l'intelligence, Seigneur. Seigneur, donne-moi de l'intelligence pour cette année qui peut venir. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Donne-moi de l'intelligence. Vous êtes mis besoin de l'intelligence, mon Dieu, dans toutes les choses. Joseph tient dans l'intelligence. Aïe, 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 aïe. Joseph tient dans l'intelligence de Dieu. Joseph tient dans l'intelligence de Dieu. La raison qui fait notre Joseph une prospérée, notre Joseph, tu connais comment besoin capable de ramasser un cinquième des récoltes pendant l'abondance pour qu'il, quand dans la famine, venisse de gagner ça pour se servir. Mais écoute, Joseph, il gagne ça l'intelligence là. Alléluia. Quand Joseph, il naît sans l'intelligence, ça, c'est une intelligence divine. Daniel tient une intelligence extraordinaire. Jacob, vous tient une intelligence. Je me rappelle ça bien, mon papa habitait porté à cela avec moi. Mais moi, au moment que Jacob finit de faire un troupeau taché, qui finit de faire, il finit de prendre mon pied, il finit de mettre ça dans de l'eau, il finit de plisser ça. Au moment que c'est un troupeau là, qui tient la tasse, là, aux yeux, il finit de boire ça, il finit de croiser. De petits babas qui sont utiles, sont propres. Alléluia. C'est une sagesse divine, nous capable de dire. Quand les filles recevront ça, c'est avec mon Dieu. Alors, bien aimé, n'a pas l'église à l'année qui peut venir là. N'a pas perdu aucun temps. N'a pas assisé. Non, ok, mais la vie est correcte. Non. Bon Dieu, envie de toi l'intelligence pour te commencer ton business. Bon Dieu, envie de toi l'intelligence pour qu'il te capable de travailler. Bon Dieu, envie de toi l'intelligence pour qu'il te capable de gagner une promotion. Beaucoup de personnes, il y a un blocage au niveau de pensée. Qui fait, ah non, mon brosse la même. Jamais mon bouquin, comment appelle ça? J'aime une bonne promotion. Non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, mon fils, venez pour annonce-toi qui te recevoir l'intelligence de Dieu dans ton travail et une promotion est en route. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. N'a pas méprise. N'a pas laisse. Rejette ce que Dieu est capable de faire dans toi. Dieu est la possibilité pour donner toi l'intelligence. Seule l'intelligence dans tout qui te suit. Bien-aimé, ce soir, je crois qu'il est vraiment fini d'être béni à travers cette parole-là. Je demande à Dieu qui peut guetter ou qui pourrait guetter. Portez à cela avec un quelqu'un. N'a pas gardé ça pour Dieu. N'a pas gardé ça pour Dieu tout seul, non. Mais portez à ça avec un quelqu'un. Aussi, je crois que cette parole-là est adressée à un jeune homme. Que cette parole-là est adressée à une jeune femme. Que cette parole-là est adressée à un homme de Dieu. Et crois qu'il y a l'année qui peut venir. C'est l'année de l'intelligence. Dieu vous donne toi l'intelligence. Toi qui dis à moi de pas faire l'école, mais Dieu vous donne toi l'intelligence. Avant qu'il ne termine, mon invite à poser à mettre la tête. Dis au nom de Jésus, mon recevoir ce soir l'intelligence de Dieu, l'intelligence du Saint-Esprit. Saint-Esprit me donne toi accès à mes pensées, qui appartient maintenant même, me déclarer et me dire que l'intelligence fonctionne bien, que mes pensées fonctionnent normal, qui appartient maintenant même. Vraiment, mon vie productif dans tout ce qui m'offert. Seigneur, me recevoir de l'intelligence ce soir et me déclarer qu'appartient maintenant mon vie productif dans mon vie personnelle, mon vie spirituelle, mon vie matérielle, mon vie travail, mon vie coupe dans toutes les sphères. Dans le nom de Jésus, me recevoir l'intelligence du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. C'était le serviteur de Dieu, le pasteur David Marie. Je crois qu'il est vraiment de finir béni par cette vidéo-là. Alors, on n'a pas l'église, mal une vidéo qui nous fait. Donc, ça compte là, souvent, nous pour faire mal une vidéo. Afin qu'il vraiment soit capable d'être encouragé et recevoir une parole du Seigneur. Avant qu'il me termine, pas oublier. Pas oublier cela.
l'intelligence de Dieu et la possibilité pour localiser toi pendant cette semaine, pendant ce mois, avant l'année terminée. Recherche l'intelligence de Dieu parce que c'est là-dedans qu'il trouve ta victoire, c'est là-dedans qu'il trouve ton succès, c'est là-dedans qu'il trouve ta réussite. Que bon Dieu, il bénisse toi abondamment.